Bonjour, bienvenue à ma chaîne aujourd'hui. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un gommage à base d'ingrédients naturels qui est vraiment bon pour la peau. Donc, j'ai du miel, j'ai du sucre brun, j'ai un lime et ici, j'ai des fécules de maïs. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler les bienfaits du fécule de maïs. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, la fécule de maïs possède des propriétés intéressantes pour la peau. Elle atténue les rides, illumine le teint, protège la peau, apaise les coups de soleil et les irritations. Vous l'aurez compris, hein, mes amis? Donc, utiliser de la fécule de maïs est idéal pour avoir une belle peau. Donc, allons-y. Je vais vous dire comment utiliser ces ingrédients. D'accord. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais mettre mon lime dans du miel. Ensuite, dans du sucre brun. D'accord? Et je vais juste tout simplement le masser un peu pour que le jus de citron sorte. Vous voyez? Après ça, je vais venir le mettre dans notre fécule de maïs. D'accord? Et ensuite, quand vous allez être prête, vous allez tout simplement le masser sur votre visage ou en fait sur la partie du corps que vous désirez. Donc, masser, masser, masser. Et vous avez intérêt de ne pas mettre un chandail blanc pendant que vous le faites. Sinon, votre chandail blanc risquerait d'être taché. Donc, ça va vous donner un bon teint et votre teint va éclaircir, va être douce. Donc, c'est bon pour faire partir les taches noires et aussi les boutons. Donc, voilà, donc je voulais vous dire, quand vous avez fini de masser, on va dire à peu près une minute ou deux, répétez encore, encore dans le miel, dans le sucre brun. Si vous n'avez pas de sucre brun, prenez sucre brun. Si vous n'avez pas de sucre brun, prenez du sucre blanc. Prenez le sucre que vous avez à la maison. Et ensuite, encore dans notre fécule de maïs et on masse encore. Vous allez avoir des résultats vraiment étonnants. Donc, je vous le conseille. Quand vous voyez, ma peau brille déjà. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous réveillez et même la nuit avant de dormir. Ça va venir bien, 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 bien nettoyer votre peau et enlever les défauts sur la partie désirée. Donc, voilà. Je laisse le gommage comme ça sur ma main. OK? Et je vais attendre un bon 5 à 10 minutes. Et ensuite, je vais aller rincer le tout avec de l'eau. Puis voilà, c'est tout. Donc, essayez-le, mes amis. Puis dites-moi comment ça a été. Et je vous reviens pour une autre vidéo pour des ingrédients naturels pour la peau. Donc, merci. N'oubliez pas de like, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, donc, gros bisous et merci beaucoup.